Bonsoir et bienvenue dans votre émission Whipter. Nous sommes de retour dans les îles, dans la chaleur, après un week-end pluvieux. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Bienvenue dans votre émission Whipter, un programme chargé pour nous ce soir. L'avant-dernière étape du championnat de la montagne avec la course de Côte Auto au François. On fait du burn sous la pluie pour un run en Guadeloupe. À notre descente d'avion, nous avons croisé Christophe Concourier qui ramène une belle seconde place de la première manche du championnat de la Guadeloupe de jet ski. Voilà en un seul mot d'ordre ce week-end dans Whipter, de l'eau. Engagés, de nouveau un chiffre record cette année, et pour la troisième course de Côte Auto consécutive, on frise les 30 pilotes inscrits. L'enjeu essentiel de cette édition 2013 de la course de Côte du François reste le championnat de la montagne. En effet, cette course est l'avant-dernière et quelques petits points séparent les deux premiers, Alain Augret et Patrick Besto, qui sont suivis par un Jean-Philippe Montgaillard en embuscade qui devance Michel Acari et Thierry Le Brasidec. Autant dire qu'avant d'arriver ici ce matin, les enjeux étaient déjà de taille. Mais une fois arrivé sur place et contrairement à l'édition de l'année dernière, tout le plateau a pu constater que le temps pluvieux n'allait pas forcément s'arranger au fil de la journée. Et ce n'est pas ce qui découragera les très nombreux spectateurs présents tout le long du circuit. Revenons à la course. Disons-le tout de suite, si le circuit est mouillé, les pilotes de monoplace, habitués aux premières places, ne pourront prétendre à ce classement habituel. Ils croisent donc les doigts pour que le soleil revienne vite. Pour preuve, le meilleur temps des essais, qui se sont déroulés sous la pluie, est à mettre à l'actif de Vincent Pardot, loin devant la première monoplace. La pluie se calme, mais le circuit reste mouillé pour la première montée de classement. Et comme aux essais, la bataille pour ce scratch se déroule entre véhicules classiques. Mais cette fois-ci, c'est Jean-Philippe Montgaillard qui mène la course. Le circuit sèche petit à petit, les monoplaces se rapprochent, et à la deuxième montée de classement, c'est l'invité suisse Xavier Vermeil, en double monte sur la monoplace de Michel Acari, qui prend le commandement de la compétition. L'attaque à outrance reste quand même très compliquée sur ce tracé qui a du mal à sécher. L'enchaînement de portions sèches et d'autres grasses ne mettent pas les pilotes dans les meilleures conditions pour attaquer. Emmanuel Dumas, pilote revenant, sort pour la première fois cette saison sa toute nouvelle Mégane Maxi flambant neuve. Et à cause de petits soucis mécaniques dans la première montée, a décidé de tout donner dans la seconde et se fait piéger sur une partie grasse. Dommage, mais ce pilote prétendant à la victoire d'un rallye a promis de vite réparer pour être parmi nous rapidement. Les autres sont avertis et lèvent un peu le pied. La course va donc se jouer dans la troisième et ultime montée, sur un tracé bien plus sec. Les choses changent un peu dans cette dernière montée et Xavier Vermeil assoit son avance au prix d'une attaque sans relâche. Il donne plus de 2 secondes au second. C'est lui le grand vainqueur de cette compétition. Le second, c'est le pilote avec lequel il est en double monte. Il s'agit bien sûr de Michel Acari. Il nous prouve bien, avec ce résultat, qu'il faudra compter avec lui pour le sprint final et pour la saison prochaine. À quelques centièmes de Michel, on retrouve un Vincent Pardot qui a profité de l'avantage de son véhicule dans ce genre de situation. Pour celui-ci, sur la troisième marche du podium, c'est donc la première voiture classique. Alain Augret, lui, n'a pas trouvé le bon feeling avec son nouveau véhicule sur ce type de revêtement. Une quatrième place ici pourrait paraître un peu décevante, mais par rapport à la contre-performance de ses adversaires directs en vue du titre, il réalise une bonne opération finalement. Enfin, Patrick Besto, encore plus en difficulté, termine 13e et à cause de la performance de Michel Acari, Patrick perd une place au championnat, un championnat qui se resserre à l'approche de l'ultime étape au Vauclin. Juste après, on retrouve 4 pilotes dans la même seconde, autant dire qu'un souffle sépare Philippe Aigoui, Thierry Le Brasidec, Jean-Philippe Montgaillard et Pascal Calvel, qui pilotaient la monoplace de Patricia Nogret pour l'occasion. C'est finalement Philippe Aigoui, 5e, qui prendra le meilleur dans ce tir groupé. Il en profite pour s'emparer de la catégorie F2000, de loin la plus fournie. Il devance Thierry Le Brasidec, 6e, qui a préféré ne pas prendre trop de risques. Jean-Philippe Montgaillard, meilleure voiture fermée au Marigot, n'a pu rééditer sa performance malgré sa très grosse attaque. Pascal Calvel faisait sa première course sur ce véhicule et prend du plaisir à attaquer sur le mouillé, 8e.
La 9e place est pour un Guy Raphaël Pin qui n'est pas trop à l'aise sur le mouillé, surtout qu'il n'a pas les bons pneumatiques. Et enfin, mention spéciale à Jehan Alivon, qui sort un excellent temps avec sa 206 RC Group N, qui lui permet d'intégrer le top 10 de cette compétition qui, on le rappelle, a 29 engagés. Continue de la sorte, champion! Que dire du formidable spectacle offert par tous ces pilotes qui nous ont, comme d'habitude, régalés. Une fois encore, le public, bien que très présent, a su rester discipliné afin que la compétition ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes déjà impatients d'être au Vauclin, à Mandraket, pour l'épilogue de ce championnat très serré et très spectaculaire courant novembre. Toute l'équipe Rupteur souhaite un bon vent et une bonne retraite à notre Félix Pinceau national, surnommé Féfé. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, il se retire du sport auto. À bientôt, Féfé. Allez, on prend la direction de la Guadeloupe où nous avons suivi un run moto avec cette fois deux pilotes martiniquais. Le run moto en Guadeloupe est une discipline dans laquelle nous avons l'habitude de voir évoluer Ali Anglionnet. Mais ce n'est plus notre seul représentant. Il est rejoint maintenant par Luc Galipo. Tout de suite, la deuxième manche du championnat de Guadeloupe de run moto. Et c'est sous une météo peu clémente que nous avons rejoint les routes de la Guadeloupe. En effet, il faisait un temps à garder nos petits animaux à quatre pattes à l'intérieur. Pourtant, un petit groupe de passionnés s'est retrouvé à braver les éléments pour faire rugir leurs fauves restés à la maison depuis près de 3 mois, depuis leur dernière sortie. Une occasion pour nous de se faire plaisir, et cette fois-ci, nous avons accompagné Lucas Grippo, un pilote martiniquais discret qui se fait une place dans les rangs des street bikes et qui porte à 2 le nombre de nos représentants dans cette discipline. Bon, aujourd'hui, c'est dommage qu'il pleuvait. On a eu de l'essence et de l'huile sur le circuit. Donc bon. Voilà, il a tout résumé. Une journée particulière où la météo et le sort se sont jetés sur le déroulement de la course. Mais qu'à cela ne tienne, malgré un moral dans les chaussettes, mouillé pour le coup, la plupart du plateau est présent. À l'exception de quelques-uns comme l'Aude, le Saint-Martinois, qui n'a pas fait le déplacement, ils sont tous fin frais. Alors le run, c'est parti. Bon alors on l'a fait la course. Oui, on l'a fait la course. Donc après avoir décontaminé avec Route de Guadeloupe, donc on fait un essai avec deux pilotes volontaires. Ensuite on lance les essais qu'on a montrés, les montées de placement et c'est parti. Alright. Okay. Et dans ces conditions peu évidentes, les cartes risquent d'être redistribuées. Pour cause, contrairement aux routes sèches, sur route mouillée, la problématique sera de dompter ses chevaux. Et plus on en a, moins c'est facile. Je vous laisse apprécier quelques passages. Pour les résultats de la course, on vous l'avait prédit, les cartes ont été redistribuées. Maitri Patrick aura su amadouer sa monture et signer des chronos dignes de la catégorie Pro Stock. Il termine vainqueur de la journée au temps scratch de 9 secondes 910. Un bon temps malgré la pluie, Patrick. T'as pas eu peur, quoi. Ouais, donc il fallait gérer aujourd'hui parce que le sol était vraiment détrempé. Et surtout avec un turbo, une fois que ça part en burn, c'est un peu difficile de contrôler. Donc j'ai pu gérer en démarrant comme si j'allais faire mes courses, hein, sans extravagance. Et c'est pour cela que j'ai réussi à faire un temps pas mal. Autre pro stock, c'est Jean-Olivier, fini 3e. Intercalés à la 2e et 4e place, les deux représentants de Lille, Ali Anguillonin et Luc Galipo, ont fait une belle course. Pas vrai, Ali? Excellent chrono avec l'appui, ouais. Et bon, on n'est pas trop surpris parce qu'on sait qu'on est en atmo. Donc l'adhérence, il suffit de gérer ça et puis développer. Les conditions trop favorisées, quoi, quelque peu. Oui, dans un sens, ah oui, beaucoup. Donc on ne va pas non plus dire que bon, hein. C'est clair que ça nous a beaucoup favorisé. Sol mouillé, on peut développer beaucoup plus. Luc, une belle bataille, t'en as pensé quoi? Bon, aujourd'hui, je pouvais gagner la course, mais mon pneu n'a pas tenu.
mais ce sera pour le 24 novembre. Aujourd'hui, Ali s'est bien débrouillé, il est en 9,98, il fait deuxième en post-hoc. C'est magnifique pour lui, ce sera de bon augure pour la prochaine fois. Nous n'allons pas manquer de vous présenter plus amplement ce pilote et son team PMS parti pour faire tout le championnat l'année prochaine. On revient sur la course. Rethel Pierre-Guy, comme à son habitude, régale. C'est de course que l'on parle. Fissier Pascal, 6e, devance Bami Laurent, Largit Willy. On va le corriger. 9e, c'est là que l'on retrouve Lionel Pochal, inhabituel Lionel. Par rapport à l'adhérence, la chaussée mouillée, c'est vraiment pas évident de faire passer la puissance. Hein. Donc on a été obligé de faire avec, mais c'était pas évident. Pour moi, c'est pas trop une grande perte, on va essayer de faire le maximum pour la prochaine course. Pour essayer de rattraper les points perdus. Et le 10e temps pour Guillaume Willy. Voilà, c'était le scratch dans les autres catégories. Berchel Kevin gagne la catégorie 50 cm cubes. John Pierce, que l'on retrouve en super quadeur, gagne la catégorie proto. Gabi Pauluc gagne la catégorie street bike, c'est la 2e fois en autant d'apparitions. Et Patrick Métry, on vous le rappelle, gagne la catégorie Pro Stock. Navré de ne pouvoir montrer tout le monde. Plus d'infos sur les résultats sur notre page Rupteur. La prochaine course, c'est le mois prochain. On y sera forcément. Et pour ceux qui veulent une motivation... Montant Capesté, regarde Rupteur sur la TV. Rup quoi ? Rupteur ! Yeah, man. À notre descente d'avion, nous avons croisé Christophe Concorrier qui ramène une belle seconde place de la première manche du championnat de la Guadeloupe de jet ski. Aujourd'hui, bonne journée, donc le 20 octobre, première manche du championnat de Guadeloupe sur la commune de Bemao. Des conditions de mer qui n'ont pas été exceptionnelles, il n'y a pas eu vraiment de creux importants, mais une course technique et tactique, puisqu'il fallait quand même faire attention à ramener la machine, à ramener le physique. Et donc en gros, sur la première manche, je finis derrière le champion du monde 2012, Déby Vaitilingon. Et sur la deuxième manche, je casse la courroie. Je continue la course à faible allure et j'arrive à rentrer dans les points, ce qui me permet de finir cette journée en deuxième position. C'est satisfait de la journée puisque sur cette manche, cette première manche, il y en a 5, une par mois. J'ai pu ramener la machine en bon état et ça promet pour les prochaines manches. Et oui, j'ai l'intention de participer à toutes les manches puisque c'est aussi pour moi la possibilité de rencontrer avant le championnat du monde les meilleurs au monde, donc les Guadeloupéens, naviguer sur le circuit. Sûrement des manches du championnat du monde. Donc oui, je vais essayer grâce à mes partenaires privés, collectivités, région Martinique, de boucler ce championnat sur cette année. Votre émission Rupteur, c'est terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine avec des gros plans, des immersions et la reprise du championnat de Martinique de jet ski à Saint-Pierre à 20h05 sur ATV.